Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct de Rome, de la place Saint-Pierre, où nous allons participer en ce 6 janvier à l'Angélus avec le pape François. Il vient tout juste de célébrer la messe où il a pu, lors de son homélie, nous inviter à regarder vers le ciel, à nous bouger comme l'ont fait les mages et à offrir notre vie comme ont offert les mages des présents pour le Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buona festa. Chers frères et sœurs, bonne fête. Oggi, festa dell'Epifania del Signore. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Épiphanie du Seigneur. L'Évangile nous présente trois attitudes, lesquelles ont été importantes à l'occasion de la venue de Jésus et de sa manifestation dans le monde. Un empressement à la recherche, une indifférence et une peur. La recherche empressée. Les mages n'hésitent pas à se mettre en chemin pour chercher le Messie. Arrivé à Jérusalem, il demande « Où est celui qui est né, le roi des Juifs ? Nous avons vu apparaître son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils ont fait un long voyage et maintenant, avec un grand empressement, ils recherchent à identifier où ils pourront le trouver, ce roi nouveau-né. À Jérusalem, ils se tournent vers le roi Hérode, lequel demande aux prêtres et aux scribes de s'informer au sujet du lieu dans lequel doit naître le Messie. À cette recherche empressée des rois mages s'oppose l'indifférence des grands prêtres et des scribes. Ils étaient très bien installés confortablement. Ils connaissaient les Écritures et ils étaient en mesure de donner une réponse juste sur le lieu de la naissance, à Bethléem de Judée, parce que c'est ainsi que l'a écrit le prophète. Ils savent, mais ils ne se dérangent pas pour aller trouver le Messie. Bethléem est à quelques kilomètres, mais eux ne se bougent pas. Encore de façon plus négative est l'attitude du roi Hérode. Il a peur. Il a peur que cet enfant lui enlève son pouvoir. Il appelle les mages et il se fait indiquer quand était apparue leur étoile. Et il les envoie à Bethléem en disant « Allez et informez-vous sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir pour que je vienne moi aussi l'adorer. » En réalité, Hérode ne voulait pas savoir où se trouvait l'enfant pour l'adorer, mais pour l'éliminer, parce qu'il le considérait comme un rival. Et regardez bien, la peur conduit toujours à l'hypocrisie.
Ils sont hypocrites parce qu'ils ont peur dans leur cœur. Voici quelles sont les trois attitudes que nous trouvons dans l'Évangile. La recherche empressée des mages, l'indifférence des grands prêtres et des scribes, de ceux qui connaissaient la théologie, et la peur d'Hérode. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons choisir quelle est de ces trois attitudes et quelle attitude choisissons-nous pour aller à Dieu, à Jésus. Mais à moi, Jésus ne dit rien. Je reste tranquille. Ou alors, j'ai peur de Jésus. Et au fond de mon cœur, j'aimerais l'éjecter. L'égoïsme peut conduire à considérer la venue de Jésus dans sa propre vie comme une menace. Alors, on recherche à supprimer ou à faire taire le message de Jésus. Quand arrivent les ambitions humaines, des choix de commodité, les inclinations au mal, Jésus est considéré comme un obstacle. D'un autre côté, la tentation de l'indifférence est toujours présente. Même en sachant que Jésus est le Sauveur, quelquefois on préfère vivre comme s'il ne l'était pas. Au lieu de se comporter en cohérence avec notre foi chrétienne, on ne recherche pas à vivre en chrétien, et on suit les principes du monde, on recherche à satisfaire les inclinations, à l'abus de pouvoir, à la soif de pouvoir et des richesses. Pourtant, nous sommes appelés à suivre l'exemple des mages, à être empressés dans notre recherche, prêts à nous déranger pour rencontrer Jésus dans notre vie. Le rechercher pour l'adorer, pour reconnaître que lui est notre Seigneur, celui qui indique le vrai chemin à suivre. Si nous avons cette attitude, Jésus nous sauve réellement et nous poussons vivre une vie belle. Et nous pouvons croître dans la foi, dans l'espérance, dans la charité envers Dieu et envers nos frères. Invoquons l'intercession de la très sainte Vierge Marie, étoile de l'humanité, pèlerine dans notre temps, avec son aide maternelle, que chacun puisse trouver le Christ, lumière véritable et monde, et que le monde progresse sur le chemin de la justice et de la paix. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventre tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, digni officiamum promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucia teis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius,
et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, alcune chiese orientali, cattoliche, quelques églises orientales, catholiques et orthodoxes, célèbrent en ce jour la nativité du Seigneur. À eux, j'adresse mes vœux les plus cordiaux. Que cette joyeuse célébration soit source d'une nouvelle vigueur spirituelle et de communion entre nous tous, les chrétiens, qui le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur. Et vorrei esprimere in modo speciale la mia vicinanza ai cristiani ortodossi cotti. J'aimerais exprimer ma proximité, tous les coptes, nella gioiosa occasione della consacrazione della nuova cattedrale al Cairo. À l'occasion de l'inauguration de la nouvelle cathédrale au Caire, je salue mon confrère orthodoxe, copte du Caire. L'épiphanie est aussi la journée missionnaire des enfants qui, cette année, sont invités à regarder et à avoir le même regard que Jésus pour qu'ils puissent devenir des guides précieux dans leur engagement de prière, de fraternité et de partage auprès des contemporains, de nos contemporains les plus nécessiteux. Je vous adresse mes salutations les plus cordiales à vous tous, vous qui êtes venus en pèlerin avec vos familles, votre groupe paroissial, vos associations, vous qui venez d'Italie et de différents pays. En particulier, je salue les fidèles de Lavello et de ceux de Saint-Martin en Rivière, les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition et les confirmants de Bonate Soto et Romano di Lombardia. Un salut spécial au cortège historico-folklorique qui promeut les valeurs de l'Épiphanie et qui, cette année, est dédié au territoire des monts Prénestins. J'aimerais aussi rappeler aussi le défilé des mages qui se déroule dans de nombreux pays, en Pologne par exemple, avec une grande participation des familles et des associations. À vous tous, je vous souhaite une bonne fête et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Donc au cours de cet Angélus, le pape a invité à choisir entre rechercher avec empressement le Christ ou à être indifférent au Christ ou en avoir peur. Mais il nous invitait justement à rechercher le Christ. Voilà, je remercie tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. Vatican News et Télépatché, Pierre en régie. Demain, rendez-vous à 9h30 en direct de Rome avec le pape. Merci pour votre fidélité. Bonne journée, bonne fête de l'Épiphanie.